fromage. C'est complètement différent. Nazim, est-ce que tu es là? Salut, comment tu Bonjour, vas? comment vas-tu? Ça fait plaisir d'avoir tes nouvelles. Je voulais avoir tes nouvelles, justement. Comment te Est-ce que tu portes-tu? m'entends bien? On t'entend bien, ça va. Ça va bien, toi, Ah, c'est Nazim? Comment parfait, vas-tu? merci, merci. Je suis content de t'avoir. Ben, c'est réciproque. Et toi, comment vas-tu? En fait, je suis toujours sur l'enquête, en fait. On Est-ce patine. que tu as trouvé quelque chose? On Parce que moi, patine. hein? On patine Ah, un ben petit peu, donc je ouais. comptais sur toi pour nous faire avancer sur l'enquête. Bah ouais, mais tu sais ce que je pense. C'est un montage qu'on a voulu faire. Non, C'est plutôt raté. malheureusement, j'ai mis mes meilleurs spécialistes sur l'affaire et c'était Ouais. pas un montage. Il s'agit bien d'une personne et maintenant il va falloir l'identifier. Est-ce que je peux Bah, compter c'est sur qui? toi? Je vais te proposer un panel de personnes et tu me dis si c'est ça. Ok? Alors, je vais te dire, Nazim, moi, je peux pas reconnaître. Je peux pas reconnaître parce que, mais tout ce que je veux te dire, la personne Est-ce que que cette tu as personne, elle choisie, te dit c'est quelque celle-ci, chose non? là? Non, mais c'est, non. Bah non, non, je sais pas qui c'est. Tu me présentes. Oui, mais tu les as trouvés où ces personnes-là, Nazim? Non. Hein? En plus, non, non, mais non, je connais pas ce Si, monsieur. Ah bah là, si. c'est Yannick Noah, Ouais, évidemment. parce qu'on est sur le coup. Apparemment, il s'agirait peut-être de Yannick Noah. Donc, est-ce que tu as déjà. Ah non, ça m'étonnerait. Parce que tu sais pourquoi, je vais te dire pourquoi, Nazim, Yannick Noah revient avec un nouvel album. Ah, Et mais il y ça a une forte. m'étonnerait, il a d'autres Tu es chers d'accord prêtés. avec moi qu'il y a quand même une forte ressemblance avec cet usurpateur. Oui, mais la différence, les photos que tu m'as photos, c'est une photo qui me Bah, la semblait. personne a l'air Mais... triste. Alors, tu m'as parlé de tristesse et de mélancolie. Est-ce que ça serait pas lui Oui, par mais hasard? quand C'est je lui ou t'ai dit pas? parler de tristesse, Est-ce que c'est quand je lui? te. Non, mais pas du tout. Là, ce que tu fais, Nazim, tu montes des vedettes. La seule Oui, différence, c'est une personne qui monte. mais justement, on enquête pour savoir Oui, ça correspond à qui. je te réponds, Nazim, la personne qui me ressemblait comme de vos gouttes, c'était un montage. Et Non, lui? c'est. Non? Mais non, là, je vais te dire, Nazim, arrête de montrer des vedettes. Ils sont hors sujet. D'accord? Sinon, on a Moi, ce que pensé à lui, je pense. lui, non? Non, pas vraiment. Mais Nazim, je vais te dire quelque chose. Moi, je vais te dire quelque chose. C'est un montage qu'on a voulu me faire pour moi. Mais simplement, la personne qui l'a fait s'est plantée. Parce que, en plus, il m'a fait passer pour que je ne suis pas, c'est des calomnies. Tu vois? Donc, c'est pas la peine de montrer des vedettes qui existent. Ils sont hors sujet. C'est qu'on a voulu faire un montage qui ne me ressemblait pas. Ça a été raté. Encore une fois, c'était un fiasco total. Et Ah, là, d'accord. si je... Ah bah oui, c'est possible. Moi, je donne la bonne explication. Tu vois, ça sert à montrer des vedettes qui ont un contexte différent. C'est répondre à côté. Tu vois? Ça me ressemblait comme de C'est goutte d'eau. bizarre parce que c'est vrai que, Non, comme tu c'est pas disais sur bizarre. les vidéos, tu avais raison, hein. Ah bah oui, quand on observe, bah moi je suis optimiste. J'essaie d'apporter du bonheur aux gens. La personne chante mal, il me fait passer pour que je ne suis pas. Mais ça, c'est la personne qui a fait le montage. C'est ridicule. Et en plus, c'est du grand n'importe quoi, c'est amateur. Et ça sert à montrer des personnes connues, vu qu'eux, ils ont un contexte différent. Ils sont. Voilà. Mais quand on fait un montage, il faut peut-être faire un bon montage. Mais on ne fait pas un montage en se servant d'une personne qui n'est pas au courant. Moi, c'est le Et foutre t'es du monde. sûr que c'est pas cette personne-là? Bah, c'est cette personne-là, mais c'était pas moi. C'est pas moi qui était là. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Tu vois? Bah ouais, non mais c'est troublant, hein, Ah bah ouais, Mais la ressemblance est frappante, la ressemblance est Ah bah frappante. oui, mais c'est peut-être la personne qui a voulu faire un montage, qui s'est plantée, qui a voulu me reproduire, qui a fait du grand n'importe quoi. Tu Et vois, à pourtant, la limite. là, quand on a enquêté, on a eu affaire à cette Ah personne-là. ouais? Non, mais la personne, la différence, la Ah oui, il y a différence, une Nazim. différence, ouais. Il y a une différence dans le regard, effectivement, ouais. Bah oui, mais la différence, Nazim, la personne n'aurait dû rien faire. Parce que tu vois, c'était plutôt péjoratif. Eh ouais. Parce qu'on a voulu faire un montage, c'est un montage raté. Imagine qu'on fasse Mais ça, c'est un pas un montage sur montage, toi. mais Manu, on dirait toi. Non, là, c'est moi. Mais imagine qu'on fasse un montage. Imagine, Nazim, on fasse Ah, un quand montage même, bah sur toi. alors c'est forcément toi, alors, sur les vidéos, non? Ah non? Non, je vais te dire pourquoi. Là, t'as repris une photo de moi. C'est différent. Mais imagine qu'on fasse un Oui, montage mais sur on a toi. comparé les visages qui ressemblaient le plus, donc on est tombé sur des Ben photos de toi, non, non? lorsque tu m'as montré, Nazim, tu m'as montré des vedettes qui ne ressemblaient pas. Là, simplement la personne a voulu faire un montage qui ne me ressemblait pas. C'était pas moi. Et on m'a fait passer. C'est raconter des calomnies. Imagine, Nazim, on fait un montage sur toi et on Mais rate c'est le pas montage. possible, Bah t'as le si, regard vide sur cette photo. si. Si. Mais en tous les cas, moi je peux te dire que la personne qui a fait le montage est Bon, encore très alors. débutant. C'est un On va amateur. enquêter et on va essayer de le débusquer. Il est Mais peut-être sur non, mais Internet, moi, non? je peux te dire, j'ai la réponse, Nazim. C'est une personne qui a voulu faire un montage, peut-être par jalousie ou par possessivité. C'est du grotesque, c'est du grand n'importe quoi, mais la personne s'est plantée. Parce que déjà, ça ne me ressemble pas. Et
m'a fait passer pour. Imagine, je vais te dire, Nazim, c'est comme si on te faisait un montage sur toi, on faisait n'importe quoi, tu réagirais comment? Tu peux me répondre à cette question? Bah, je serais complètement agacé, hein. Eh ben voilà, c'est ce que je suis. Mais déjà, la personne n'aurait pas dû faire de montage, c'est ridicule. On me fait passer, on raconte des, je veux pas te le dire, mais des conneries, des calomnies, ben voilà, c'est ce que je voulais. Donc la personne n'aurait dû rien faire. Quand on ne sait pas faire des montages, on s'abstient dans ces cas-là. Parce que pour faire du grand n'importe quoi, bah, c'est ridicule, quoi. Ah, par contre, pour l'audio, tu m'entends, j'ai une bonne Ah oui, nouvelle. d'accord, oui. Nadine, Alors du coup, ça l'audio, avance comment le... faire? J'étais renseignée à la boutique et le monsieur a vu que j'avais des étoiles qui brillaient comme ça, comme un enfant. Et il m'a dit, je pourrais te filmer, tu pourras poser toutes les questions que tu veux, à condition qu'il n'y a pas trop de monde. J'étais me renseigner cette semaine. Tu m'entends? Ouais, Donc, d'accord, bah ça c'est une bonne chose, ça c'est une bonne nouvelle. Donc je pourrais déposer des ah bah questions oui, sur la j'étais déjà. guitare en général. Et je veux te dire, Nadine, Ah je te fais merde. un très bon crédit parce que c'est payant. Hein. Là, ce que je fais, ça marche. Ça marche que je dépense de l'argent, c'est pas par le Ah, Saint-Esprit, tu vas quoi. Tu dé vois? déposer de l'argent pour ça, bah, c'est un beau cadeau alors, Non, merci. je vais te demander cette chanson, ça vient d'où? C'est très joli. T'as un talent de chanteur, Nazim, tu Ah vois? bah J'ai bien merci, merci. vu. Bah non, mais je vais te dire, la vie est tellement compliquée, mais quand je vois les bonnes choses, c'est quoi cette chanson? C'est une chanson africaine? Ça veut dire quoi les Oui, c'est. paroles? Attends, je vais te la faire. Attends, ne parle pas. Ah Je suis non, mais il concentré. faut avoir le souffle, l'air, mais Ouais, c'est très beau quand il tu faut le avoir le. Attends, c'est quelques secondes. Tes viewers. fais. Alors, Nazim, je te prépare, va vous chanter une très belle chanson. Mouta. Bravo! Et c'est l'histoire de quoi les paroles? Parce que malheureusement, je comprends pas, c'est peut-être africain. C'est l'histoire de C'est quoi? l'histoire d'un Pakistanais qui se retrouve sur une pirogue dans l'océan Indien et qui veut D'accord. rejoindre bien sûr le continent européen et il se noie, enfin il se retrouve nez à nez sur une vague scélérate et bah, il se noie, il meurt. Ah d'accord, mais c'est très beau. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle. Ce que j'ai fait ta chanson et ce qu'on fait, ça marche beaucoup, hein. Ça marche bien pour Ah moi. ouais, j'ai Donc vu que ça toi. marchait beaucoup là, ton dernier, le clip à Fils du Soleil a pris une Ah bah oui, ampleur, ça plaît beaucoup, va c'est le voir. public. Bah oui, tu pourras rassurer Monsieur Groco et Gros Ours, Ouais, ça marche surtout à bien, c'est son une bonne manager, ouais. nouvelle. En plus, je te propose, Nazim, je te rappellerai hors antenne, il faudra voir d'après ton emploi du temps et le mien, choisir un jour où il n'y a pas de monde et je te donnerai l'adresse et comme ça, il faudra qu'on se donne un rendez-vous et je pourrai te filmer sans problème. C'est ce qu'il m'a dit, monsieur. Et tu pourras le remercier. J'ai même pris une carte pour toi. J'ai pour moi, pour, j'ai pris trois cartes pour toi. Moi, je suis très professionnel. Il a vu que j'avais des étoiles qui brillaient comme ça. Il n'y a que des guitares. Donc, toutes les questions que tu te poses sur les guitares, c'est peut-être le moment jamais de poser les bonnes questions et avoir une réponse aux questions que tu te poses, Nazim. Ok, J'ai bah bien fait, merci. hein. Ouais, Il m'a bah. même inventé. Et tu penses qu'il peut m'offrir une guitare, tu penses? Ah, ça, je sais pas. Mais déjà, si tu peux répondre aux questions que tu te poses, déjà, il est accepté, il faudra le remercier, tu vois. Bah, Mais, je lui passerai un billet de 100 euros, non? non, non. Là, tu lui diras merci humblement. Parce que c'est pas parce que dans la vie, on donne la main, on doit prendre le bras. Et les guitares, c'est quand Bah, même une pour le coup, certaine valeur. c'est sûr qu'il va me prendre 100 euros pour le coup. Ben non, non, s'il pose des questions, il le fait gratuitement parce qu'il a un bon sens. Mais déjà, ce que tu pourras faire, Nazim, s'il accepte, tu le remercieras en étant reconnaissant d'avoir répondu aux questions que tu te poses. D'accord? C'est déjà bien, Ok, quoi. bah on fera un live à ce moment-là. Dans la vraie vie, ça pourra intéresser Oui, ton fan. on se donnera rendez-vous. Enfin, t'inquiète pas, une présentation, on arrivera, je te dirai ça. Bon, Nazim, je te laisse parce qu'il faut que je termine mon live. Bah, tout le bonheur possible. Bonjour à ton manager et je t'appelle dans la semaine lundi prochain.